Bulletin mini la journée pour ça lundi le 3 octobre. Bon après-midi. Pareil l'habitude, nous voir bonne grande site. Bord de la Banque Cécile, une décidée pour maintenir le taux d'intérêt policier monétaire 2% pour 4e cas 2022. Président Rome Calawan, il recevoir l'état accréditation des nouveaux ambassadeurs pour Cécile, ça y ambassadeur la France et ambassadeur la Roumanie, et nouveau au commissaire Cypre, il aussi présente son état accréditation. Bon enseignant aussi bien qui bon enseignant un étudiant centre professionnel il fait donation disant que l'hôpital Cécile Boumaté pour commémorer la semaine enseignant. Bon détail, bord de la Banque centrale il décidé maintenir taux d'intérêt policier monétaire 2% pour 4e quart 2022. C'est gouverneur la Banque centrale Caroline Abel qui dit ça pendant une conférence la presse qu'il fait à ICCS Boumaté. Mme Labelle, il dit qu'il performance positive dans les districts tourisme, ainsi bien qu'il réduction de bonnes contraintes reliées avec production au niveau mondial, il aide pour supporter activité économique. Il dit qu'il tout de même développement autour de sa conflit entre la Russie et l'Ukraine, il continue à poser un risque pour l'économie domestique capable de récupérer. Nous avons une bonne réalité internationale. Et pareil, nous connaissons ce qui préoccupe les gens en ce moment, c'est le prix de commodité et l'inflation générale. Et ça, il toujours resté élevé. Pour la projection qu'il a fait pour septembre 2022, ça est représenté par la Niblé, l'ONU Tchad, tous les deux. Surtout l'Amérique avec l'Europe, projection montrée pour dire l'inflation pour rester élevée, pour sa bonne carte qui peut venir et peut-être une petite réduction dans l'augmentation d'un prix 2023. Et ça, s'il n'y arrive aucun événement majeur qui est capable d'amener un bon élément négatif. So, pour le moment, c'est pour dire. Prédiction, il montre nous pour dire l'inflation internationale, il peut rester haut et ça, il veut dire pour nous, c'est ce qui nous importe, sans l'inflation haut. À cause de l'inflation rester haut, à cause il encore un bon débalancement en vie COVID-19, à cause COVID, par exemple, qu'on est, chaque fois, il y a une augmentation de certains pays. Ils tentent de prendre une bonne restriction au mouvement, ici tout de la Chine, quand ils ont une position zéro tolérance, et ils ont tenté pour faire une bonne activité économique. Prix manger et prix carburant, ils restent élevés, et surtout prix carburant à cause de continuation de la guerre en Ukraine. Et ben les autres pressions qui sont la guerre, ils emmènent les autres prix commodités et aussi manger qui gagnent tapis. De sa processus. Nous à présent passe nos bonnes accréditations. Premier pour présenter son état accréditation et nouveau ambassadeur pour la France, Olivia Buckley-Christmont, qui dit que son discussion avec le président est centrée sur le bon lien fort qui unit la France avec Cécile. Je crois que la relation est excellente et tout ça est le fruit justement du travail, l'œuvre de mes prédécesseurs, notamment de mon prédécesseur dont je salue le travail avec toute l'équipe France. Et donc je suis ravie de courir ici une équipe motivée à continuer à œuvrer pour cette excellence des relations et là encore pour la développer, la traduire dans des projets, dans des relations concrètes. Là aussi, que ce soit au niveau régional, que ce soit dans des projets en matière de sécurité maritime, de lutte contre le trafic de drogue, mais aussi de continuer à œuvrer pour la francophonie, avec cette histoire et cette langue commune que nous partageons avec les Seychelles. Donc ce sera au cœur de notre action. Deuxième pour présenter son état d'accréditation, c'est l'ambassadeur de la Roumanie, Monica Cecilia Sitiaru, lit une cause de bon lien qui est capable de développer entre Cécile avec la Roumanie. I discussed with your president, with His Excellency Mr. Ram Kalawan, how to do to consolidate our relations and to diversify our bilateral cooperation and sectoral cooperation, the possible partnership in the education field. We discuss about cooperation in the tourism field.
au commissaire C pour Cécile Andreas Nicolaides, li une cause bon lien historique qui si pour y en a avec Cécile et li aussi une mettre en phase de coopération entre les deux pays. There are many areas of cooperation, tackling climate change, blue economy. There's also the question of securing freedom of navigation. Seychelles is strongly cooperating with the European Union on the UNAFOR Atalanta. So, also education. There are many fields because we are countries that are facing similar problems. And the exchange of know-how and ideas, and I think there is a stronger possibility and through the EU framework to enhance our relations. À peu près une quarantaine d'enseignants sortis dans différentes écoles d'État et privées, ils donnent 10 ans pour matin. Ils ont une participation dans les étudiants centres professionnels qui viennent donner des support. Ça est la troisième activité que les enseignants font pour commémorer la semaine enseignant. Membre du comité de la semaine enseignant, Daniel Marie, il dit qu'il pourrait en avoir encore plusieurs autres activités qu'ils ont envisagé de faire pour sa semaine. Cette année, Thème Teachers Week et Teachers Inspiring Success. Et aujourd'hui, nous troisième activité pour commémorer Teachers Week. Hier, bon matin, nous tenons le lancement Teachers Week à travers un Interfaith Spiritual Gathering. Et ça se suit par une famille fondée, Lola Plaine Montfleury. Et là, aujourd'hui, nous avons nos Blood Donation. Activity. Aujourd'hui après-midi, nous avons un talk sur mental health awareness et pendant la semaine, nous avons plusieurs autres activités aussi. Par exemple, nous avons un symposium demain, nous avons notre annual teachers award ceremony, notre annual teachers gala et plusieurs autres activités encore. Nous terminons le thème de la journée pour qui nous suivent. Merci beaucoup. Pas oublier, manquer les autres actualités plus tard dans les autres bulletins.